On continue notre aventure dans Borderlands 3 avec la mission Ange et Démon de vitesse. Vous avez sauvé Tanis, ça c'était dans l'épisode précédent, mais pas le temps de fêter ça. Malheureusement, les Calypso préparent déjà quelque chose, il est grand temps de rallier vos troupes et d'aller à leur forteresse pour leur éclater la tronche. Ça, le programme, ça me plaît beaucoup. Lilith veut te voir sur le pont, Rodrigue. Tu dois plus te sentir pisser maintenant que t'as sauvé Tanis. Mais n'oublie pas que je reste ton supérieur et que je sais où tu dors. Je rigole, mais pas vraiment. Sur le pont. Salut. Toujours aussi marrant ce style claptrap. Le chasseur de l'arche est là. Salut, recrue. Merci d'avoir sauvé Tanis. On dirait que je peux toujours compter sur toi, quoi qu'il arrive. Je voulais te le dire, mais... les sirènes ont une cible sur la tête par les temps qui courent. On devrait s'occuper d'un problème plus pressant. Le chasseur de l'arche a coupé les fonds des Calypso, mais ils ont déjà reçu une quantité impressionnante d'iridium. Ils comptent bien s'en servir pour quelque chose. Ouvrir la Grande Arche, par exemple. La Grande Arche n'est pas qu'une légende. Elle existe. Ouais, je suis assez d'accord. Pardon ? Je ne fais que prendre en compte les preuves que nous avons. Lilith, si la Grande Arche existe bel et bien, la créature qu'elle contient doit être affreusement puissante. Les Calypso sont déjà des monstres. Je veux pas savoir ce qu'ils feraient en mettant la main sur ce genre de pouvoir. Après m'avoir enlevée, ils m'ont enfermée dans une forteresse où ils entassaient tout l'iridium reçu en offrande. Je ne sais pas ce qu'ils préparent, mais c'est là que ça se passera. Alors c'est là qu'on va frapper. Recrue, va au repos de Roland et dis à Vaughn de rassembler les pillards. Il est temps d'en finir. C'est la guerre ! Faire en sorte que Vaughn se joigne à vous. Direction les lames diaboliques. Ah mais te voilà toi ! On se fait attaquer ! À l'aide ! Voilà, quand je vois la carte en haut à droite là... passer crème. Lui, là. Quelqu'un d'autre a vu? Écraser les pillards écarlates une bonne fois pour toutes. Tyrine, envoie-leur Brayton. Je te nomme Ravageur des Roustons de Roland. Wouhouhou ! De l'iridium ! Super ! Allez, va tout massacrer, mon gladiateur ! Des quasi-dieux de l'Ordonne ! Alors, attends. Détendez-vous, détendez-vous. Je pensais déjà lors de la première vague, mais puisque il y en a d'autres. Oh là 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 là, attends. C'est ce travail là. Bah, elle est mieux descendre du vaisseau parce que en voiture l'XP des fois est moins dur. Ah merde, ça fait du bien de gagner un peu. Maintenant la papote. Y a-t-il d'autres clients? Par la Vaughn.
il paraît qu'on va prendre d'assaut la forteresse des Calypso. Ah, c'est pas trop tôt. Tu peux compter sur moi. J'en ai marre d'être leur beau joujou. C'est la guerre! Écoutez-moi bien, les poteaux et les potasses. C'est notre moment. On va se jeter sur les portes des Calypso et montrer à ces turbo-connards ce qui se passe quand on cherche les pillards écarlates. Sympa la statue. Pillards écarlates, à l'attaque! À la cathédrale! Fonce, mon armée écarlate! Fonce vers la victoire! Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh merde, je me demandais ce qu'elles étaient traînées. À plus, les connards écarlates! Oh, quel malin! On se replie au repos de Roland! Vite! Courez, 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 courez! Planquez-vous tous! Notre dessus, il est en dessous! On n'atteindra pas la forteresse des Calypso tant que ces tourelles seront actives. Je pourrais peut-être les désactiver avec mon changement de phase, mais pour une tâche aussi grande, il va me falloir mon amplificateur d'iridium. Il est dans mon labo secret, caché sous une ancienne mine de dalles des environs. Vaughn va vous guider. C'est la grosse merde. Mais tant que toi, tu restes en vie, on garde un peu d'espoir. Enfin bref, ça va te paraître bizarre, mais une voix dans ma tête m'a dit que t'avais besoin d'aide pour entrer dans la vieille mine de Dahl. Je m'en occupe. Laisse-moi une seconde. Vive le sport! Alors, comment tu trouves mon petit cul? On y est prêt. Con, je vais m'étouffer. Comment je trouve son petit cul? La mine est par là. Et voilà, je te souhaite bonne chasse. Mon labo secret vous attend, allez-y. Quand mes pouvoirs de sirène se sont manifestés, j'ai compris qu'il allait me falloir une zone secrète où faire des expériences. Utiliser un amplificateur à base d'iridium en plein air aurait certainement attiré l'attention. Et cet ancien complexe minier de Dahl m'a fourni l'abri idéal. Waouh, sacrée zone. Le chemin est bloqué, Tanis. Bon, vous n'entrerez pas par là. J'espère que vous êtes prêts à saboter, comme on dit. Vous n'avez pas de sabot? Honnêtement, la plupart des gens ne sont qu'un amas de formes et de couleurs, en ce qui me concerne. La première fois que mes pouvoirs se sont manifestés, c'est comme si toute l'électricité d'une ville m'était passée dans les veines. J'ai posé la main sur un lave-linge pour ne pas tomber, et il a instantanément explosé. On a passé des semaines à ramasser des chaussettes. J'ai compris que je n'avais aucun contrôle sur mes nouvelles capacités et qu'il fallait que je me trouve un endroit où je ne pourrais tuer personne d'autre que moi-même. Je te conseille de reculer. Let's go.
Putain, mais 3 heures pour tirer avec ce truc, c'est quoi cette merde? Sérieux? Enregistrement de la zone. Je fasse le plein de balles parce que le... C'est aussi bloqué par ici. Je suppose qu'il est de mon devoir de vous guider tout au long du chemin. Vous devez trouver un moyen d'ouvrir ces portes de trouver transport. Trouver le labo, faire le tour, ouvrir les portes de transport. Est-ce que le fusil de chasse... Bon là j'ai vu il y avait quelques balles. Hein. Ça qui est bien, au moins on les reconnaît bien. Quand on ouvre une caisse, il y a des balles de libre 12. Peut-être pas trop revenir en arrière si... Marrant ça. Ah, quand on fait une glissade, ça envoie des... Pas mal du tout. Et libre 12, vas-y. Fais le plein. Violence débridée. Régalez-vous! Pas sûr que ce soit... D'accord. Et voilà! Cette domination par procuration est étrangement satisfaisante. M'étonne. C'est vrai, Lilith est généralement vaguement encourageante. Une seconde. Choro! Oui, ça fera l'affaire. De la mine de mon ancien employeur me rendent nostalgique. Ah, oh,
la belle époque où je n'étais encore qu'une chercheuse ambitieuse, avec pour seul guide une créativité sans limite, affranchie de tout concept archaïque tel que l'éthique. Oups. Là, il y a un méga gros, hein. On va te régler ton fou. Venir chialer. Sur la carte, mais pas une game. On dirait bien qu'il est mort d'excitation. Attention, les enfants, le plaisir peut aussi être mortel. Une paire de bras, si elle casse, et en bon état. Je vais enfin découvrir ce que ça fait de recevoir un câlin. Petit claptrap. Il y en aura un deuxième. Enfin cogner ça.
Seul. Allez, quoi ? Faut que ça tire ! Mon amplificateur d'iridium, si nous voulons avoir une chance contre ces tourelles. L'excitation de la chasse me manque un peu, quand on traquait les fugitifs et les mercenaires pour le plus offrant. Observer, s'approcher, suivre de près. On était un prédateur surentraîné. Jure ma folie à la lune de midi. Et voilà ce qu'on est devenu. Un fou qui radote et qui peut pas passer 5 minutes sans hurler le mot « sang ». Mais si ! Oh, parce que tu m'écoutes ? Je pensais que tu faisais comme si j'étais pas là. Cauchemar de... sang ! Et voilà. Bon ben, je suis coincé avec toi. Pour l'instant, en tout cas. Personne n'arrache l'homme de viande du petit homme ! Faut croire que non. Notre route. C'est pas ça qui va... Double chapeau. Mon labo n'est plus très loin. Comme le disaient mes professeurs, vous faites des progrès, maintenant reposez le chalumeau.
Oula. On va y parler zombies cette zone. D'accord. J'ai l'impression que là où j'ai vu un petit bonhomme par contre. Comment on fait? Ah oui d'accord, je pourrais grimper. Bien. Envole-toi. Violent d'un coup la zone, non? Mais bien, mais commence à atteindre ses limites. Hein. Je sais plus quel niveau elle a, mais. Commence à être vieille, hein. Ouais, 26, mais. J'aurais du mal à m'en séparer. Ah, bah, y a même un enregistrement. Par contre, j'avais pas vu, hein. C'est le jeu qui me l'a spoté. Par contre. Ah non, c'est une radio écarlate. Déjà nettoyé la zone. Hein. On a déjà cherché le petit bonhomme. Heureusement qu'il est illuminé hein, parce que je le voyais pas. Enfin, je le verrai pas. C'est le second et dernier claptrap. Mais on l'a eu il n'y a pas très longtemps. Donc maintenant qu'on a fait le claptrap, la radio. Pas se lancer là-dedans tout de suite, on reviendra. On peut revenir. Je crois que je peux casser ça maintenant. C'est un petit peu éloigné de notre objectif. Ah c'est quoi, c'est une chasse légendaire ça? Oh là là. Attends, on va amener des potes. Oh yeah, l'heure déployée. Ah
c'est lui! Toujours des sacrés affrontements. Donc, le Ghostman. Chasse légendaire, ouais. Changement de zone. J'imagine que t'avais pas prévu ça, hein. Mais pas littéralement. Quoi qu'on a là. Puis du massacre. Ah, j'ai un enregistrement popé là. Non, faut qu'on ait... J'ai accès à l'étage du dessus, mais... On va déjà nettoyer la zone, hein. Il n'est pas exclu que t'aies choisi le mauvais camp. Allez, approche un peu. J'ai vraiment l'impression de faire du Starship Trooper, là. Et tout le monde sur Pandore, il semblerait que l'ascenseur menant à mon labo soit en miettes. Vous allez devoir trouver un autre moyen de descendre. J'essaie autre chose, il y a peut-être un truc là ou non. Ça m'aiderait vachement. Ah d'accord, ok. J'y avais pas pensé. J'avais un faible pour Léna, et elle en était consciente. Tous les deux, on s'est lancés sur la piste de la planète légendaire des Viridiens. C'était son rêve ultime de la retrouver. Et c'est très vite devenu le mien aussi. Et le jeu. Détruire le sol. L'entrée du labo est dans une grande caverne. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus descriptif. C'est une caverne qui se trouve être de grande taille. Je pense qu'on a notre accès... descendre là. Je
Bon bah je crois qu'il faut qu'on descende, hein. Salut, Saru ! Oh, alors comme ça, ça se fait kiffer dans une mine abandonnée ? Ok, très bien, why not ? Je voulais juste te dire qu'on bosse sur un... Je te prépare une grosse surprise ! Un truc énorme ! Tu vas surkiffer ! Troy, arrête, on en a déjà parlé. Enfin bref, la Grande Arche appelle ! A plus, super fan ! Mais trop t'as fait, yo ! La dernière. La première fois que j'ai entendu le nom du berceau iridien, c'était dans la bouche de Leda. Alors qu'on crapahutait dans le désert à bord de mon buggy, on est tombé sur des ruines. Les robots se dispersent en poussant tout un tas de bip-bip. Je guette les racks aux alentours pendant que Leda commence à creuser dans le sable. Et là, elle lève les yeux vers la lune et elle dit... Nécro Tafeyo ! Comme si elle voyait déjà la planète. Nécro Tafeyo ! Ha ! Tu parles d'un nom. Alors, c'est à Leda que Typhon doit sa passion pour Nécro Tafeyo ? Les livres d'histoire m'auraient menti ! Et si je ne peux pas leur faire confiance à eux ? Je perds toutes mes références et je vais vomir. Chasseur de l'Arche, prenez votre butin. Donc là, le dernier enregistrement. Est-ce qu'il nous reste la cachette de Typhon ? Elle est ici. On a l'impression que c'est en dessous de la zone. Donc là, on voit qu'on va descendre. On ne devrait pas tarder à tomber dessus. C'est pas trop mal démerdé, on en a pas loupé. Tu raterais le cul d'une vache avec un banjo. Allez, vas-y. Kate, un petit wagonnet à guicheur. Elle vous guidera. Nous avons eu une brève aventure passionnelle qui a pris fin quand nos chemins se sont séparés, comme on dit. Enfin, c'est la vie. Maintenant, caressez ce wagonnet. Je vous demande de me faire confiance. Oh, tais-toi, Kate. Pour le trésor caché, on attendra. Trouve-toi une cible, mon petit pote. J'ai envie de me battre. J'ai toujours le coup de main. Voilà, on a terminé avec les défis de cette zone. Des sales gosses, tuez-les! Si ces saletés entrent dans mon labo, ils vont détruire mon précieux équipement!
vilain, lui. Bien, chasseur de l'arche, l'entrée est juste au bout de ce couloir. Vous y êtes presque. Le voilà, mon amplificateur d'iridium. On doit le rapporter au repos de Roland. Désactivez ses couplages pour le préparer pour le transport. Je vous signale que c'est la première fois que je laisse quelqu'un entrer dans mon labo. Je fais une exception. Juste cette fois. Activer le couplage. C'est l'amplificateur. Bravo! Je comprends pourquoi Lilith vous envoie toujours faire à peu près tout, en fait. Nous allons pouvoir installer l'amplificateur au repos de Roland. J'ai déjà demandé à Vaughn, notre sculpture humaine, de vous aider à le transporter. Retrouvez-le dans le garage en bas. C'est bon? Allez, on se bouge! Conduire le véhicule de Vaughn. D'accord, alors où est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on a des défis dans cette zone? Non. Hélicoptère! Ah ouais, je te conseille pas de t'approcher! Ces bestioles sont encore plus moches à l'intérieur! Tu peux me croire? Tu savais que les bandits adorent les hyménoptères écrasés? Et je dis ça, je dis rien! On va pas se laisser faire! On va pas se laisser faire!
prendre des coups là. Tout va bien. Oh, les gars. Détruire toute leur bagnole. C'est moi, Paul, qui le décrète. Détruis-les, détruis-les. On va passer nos nerfs sur leur caisse. Ils tirent sur nous. Il va pas de larmes. Feu d'artifice. Des tours. On est en train de se prendre des coups là. Allez, allez, on avance. Waouh. Tiens, la guerre. Ça, c'est de la destruction. Oui, j'ai trouvé ça un peu triste de voir le Carnivora voler en miettes. Ok, d'accord, d'accord, c'était une abomination des descendants remplie de fanatiques ramollis du bulbe. Mais ça avait de la gueule, quand même. Ah, enfin chier soi. Hey, chasseur de l'arche, ils sont terminés. J'ai pas mal bourlingué en voiture, mais quand je te vois au volant, la vache, quel putain de talent. Quel putain de talent. Alors si tu veux partir en balade un jour, pense à moi surtout, hein. J'ai même une super playlist de malades. Pardon,
Je crois que je me suis laissé un petit peu emporter là. Légèrement. Enfin, bref. On va protéger le machin bidule d'Iridium et rallier les troupes. Quand Lilith nous en donnera l'ordre, on foncera. Oh, tu pourrais dire à la voix dans ma tête de rester dans la sienne entre 8h et 11h. J'aimerais être peinard, c'est mon petit créneau perso. Prochaine mission, la Grande Arche. Retourner sur Sanctuary.